Salut tout le monde, bienvenue sur Duplicate.club, votre chaîne de Duplicate en vidéo. On va jouer aujourd'hui, on est vendredi. Alors il y a deux parties qui sont publiées en même temps parce que celle d'hier jeudi, j'ai pas pu le faire. Donc je fais les deux en même temps, vous choisissez celle que vous préférez, vous revenez ensuite, vous êtes disponible en replay, donc vous pouvez jouer la suivante dans la foulée ou un autre moment. Enfin voilà, vous avez l'embarras du choix. Donc là, je vous propose une partie détonnante. Je rappelle le principe. C'est une partie entre guillemets normale, hein, c'est-à-dire qu'il y a 7 lettres à chaque coup, etc. Enfin, il n'y a pas de règle particulière. La seule chose, c'est que la partie, elle a un score assez élevé. Elle dépasse les 1100 points et elle se déroule assez rapidement puisqu'elle ne dépasse pas les 19 coups. Voilà. Ce sont les deux critères que j'ai retenus pour qualifier une partie de détonnante. Voilà, bah écoutez, on va démarrer. Ah oui, petit rappel, hein, il y a le fameux décodage à la fin de la partie. Je passe en revue dans un premier temps les isotopes et les sous-topes de chaque coup. Deuxième temps du décodage, les définitions des mots peu courants. Et troisième temps, les potentialités des tirages, pardon, c'est-à-dire les solutions en 7, 8 et parfois 9 lettres. Qui n'aurait pas été évoqué ni pendant la partie, ni pendant le premier temps du décodage, à savoir le passage en revue de tous les coups de la partie. Voilà. Donc, ceci étant posé, on va pouvoir démarrer cette partie détonnante, donc avec un premier tirage qui arrive dans quelques secondes. Voilà, vous n'avez aucune lettre devant vous et vous prenez Égypte E, Uruguay U, Roumanie R, Italie I, Suisse S, Danemark D, Tunisie T. Vous jouez avec Égypte, Uruguay, Roumanie, Italie, Suisse, Danemark et Tunisie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 70 points. Faites très attention à la solution choisie. Horizontalement, en H2, nous posons Rudite. R, U, D, I, T, E et le S sur la case centrale. Rudite, R, U, D, I, T, E, S en H2, ça fait 70 points. Après ce Scrabble au reliquat, aucune lettre. Voici Uruguay U, Roumanie R, Italie I, Jordanie J, Océanie O,
Égypte E, deux fois. Vous jouez avec Uruguay, Roumanie, Italie, Jordanie, Océanie, Égypte deux fois. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 143 points. Faites très attention à la place du mot. Verticalement en 1B, de façon à transformer rudite en érudite, nous descendons réjouis. R-E-J-O-U-I. Et le E qui transforme rudite en érudite. Attention également à la place. C'est en 1B. C'est le dernier E qui vient devant Rudit. Réjoui rapporte 143 points. Aucune lettre au reliquat après ce Scrabble. Voici Belgique B. Zambie Z. Égypte E, Roumanie R, Océanie O, Norvège N et Suisse S. Vous jouez avec Belgique, Zambie, Égypte, Roumanie, Océanie, Norvège et Suisse. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 126 points. Verticalement en 5D, on appuie sur le I de érudite. Nous descendons Zébrion. Z, E, B, R, I de érudite, O, N, S. Zébrion. 5D, ça fait 126 points.
au reliquat, aucune lettre. Après ce nouveau Scrabble, voici France F. Océanie O. Uruguay U. Égypte E. Luxembourg L deux fois. Uruguay U, c'est le deuxième. Vous jouez avec France, Océanie, Uruguay deux fois, Égypte et Luxembourg deux fois. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 42 points. Horizontalement, en D1, en appui sur, en double appui sur le J de Réjoui et le Z de Zébrion, nous posons jouer. J-O-U-E-Z. Jouer en D1. Ça fait 42 points. Un reliquat, un reliquat de 4 lettres. France, Luxembourg deux fois et Uruguay. On ajoute Kenya K. Kenya, Égypte E et Algérie A. Vous jouez avec France, Luxembourg deux fois, Uruguay, Kenya, Égypte et Algérie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un top à 42 points. Verticalement en 2G, en appui sur le R de érudite. Nous descendons fraqué. F-R-A-K-E. Le F forme IF avec le I de réjoui. Fraqué, 2G. Ça fait 42 points.
reliquat de trois lettres, Luxembourg deux fois et Uruguay, vous allez les rejeter. Donc vous rejetez les deux L et le U. Et voici un nouveau tirage, Suisse S, Égypte E, Hongrie H, Algérie A, Italie I, Portugal P et Belgique B. Vous jouez avec Suisse, Égypte, Hongrie, Algérie, Italie, Portugal et Belgique. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 107 points. Attention à la place verticalement en 8A pour terminer sur le S de érudite. Nous descendons biphasé B, I, P, H, A, S, E et le S de érudite. Biphasé 8A, ça fait 107 points. Aucune lettre reliquat puisque nous venons de poser un Scrabble. Voici cette nouvelle lettre. Tunisie T, Italie I, Roumanie R, Norvège N, Canada C, Algérie A et Égypte E. Vous jouez avec Tunisie, Italie, Roumanie, Norvège, Canada, Algérie et Égypte. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 82 points horizontalement en B8 en partant du I de biphasé. Nous posons incitera I N C I T E R A. Attention à la place, hein, c'est bien en B8, on part du
on part du I de biphasé. Incitera, I-N-C-I-T-E-R-A, ça fait 82 points. Après ce Scrabble, aucune lettre au reliquat, voici un tout nouveau tirage. Tunisie, T. Roumanie, R. Égypte, E. Océanie, O. Grèce, G. Danemark, D. Et Algérie, A. Vous jouez avec Tunisie, Roumanie, Égypte, Océanie, Grèce, Danemark et Algérie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 149 points. Verticalement en 15A, on appuie sur le A de Incitera. Nous descendons Radotage. R-A-D-O-T-A-G-E. Radotage 15A, ça fait 149 points. Au reliquat, aucune lettre de nouveau. Voici Tunisie T. Égypte E. Maroc M. Norvège N. Luxembourg L. Égypte E, c'est le deuxième. Algérie A. Vous jouez avec Tunisie, Égypte deux fois, Maroc, Norvège, Luxembourg et Algérie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 76 points.
verticalement en 14 H en partant à gauche du E de radotage. Attention au choix du mot. Enfin, pas attention au choix du mot puisque c'est le seul à 76. Donc 76 points. Mais il y a d'autres possibilités, on les verra tout à l'heure. Donc 76 points verticalement. 14 H, nous descendons la menthe. L, A, M, E, N, T, E. Le L forme le, L, E, avec le E de radotage. La menthe, 14 H, ça fait 76 points. Aucune lettre au reliquat. Voici Grèce G. Uruguay U. Italie I. Norvège N. France F. Luxembourg L. Égypte E. Vous jouez avec Grèce, Uruguay, Italie, Norvège, France, Luxembourg et Égypte. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 98 points. Horizontalement en O8, de façon à mettre un E au bout de l'amante pour former l'amanté, nous posons flingue. F-L-I-N-G-U-E. Le E transforme l'amante en l'amanté et E. Flingue. O8, ça fait 98 points. Après ce Scrabble, aucune lettre au reliquat. Voici Portugal, P. Algérie, A. Roumanie, R. Venezuela, V. Égypte, E. Uruguay, U. Et Xénophon, X. Vous jouez avec Portugal, Algérie, Roumanie, Venezuela, Égypte, Uruguay et Xénophon. Chrono. Il vous reste 20 secondes.
Le coup est terminé. Un maximum à 85 points. Verticalement en 15M, en collant à droite de lamenté et pour prolonger flingue en flingué et E, nous descendons axe. A-X-E. Au passage, on forme TA, X et flingué et E, avec les lettres déjà sur la grille. Axe, 15M, ça fait 85 points. Un reliquat de 4 lettres, Portugal, Roumanie, Uruguay, Venezuela. On ajoute le premier joker, lettre blanche, Suisse, S, et Italie, I. Vous jouez avec Portugal, Roumanie, Uruguay, Venezuela, joker, Suisse et Italie, chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 74 points. Le joker sera un E d'Égypte, horizontalement en K8, en appui sur le premier E de lamenté. Nous posons pieuvre. P, I, joker qui remplace un E d'Égypte. U, V, R. Le E de lamenté et le S final. Pieuvre, K8, ça fait 74 points. Un reliquat vierge après ce Scrabble, voici 7 nouvelles lettres, à savoir... Luxembourg, L. Océanie, O. Wallonie, W. Égypte, E. Italie, I. Algérie, A. Et Venezuela, V. Vous jouez avec Luxembourg, Océanie, Wallonie, Égypte, Italie, Algérie et Venezuela. Chrono. Il vous reste 20 secondes.
Le coup est terminé. Un maximum à 33 points. Verticalement, en 10, I, on appuie sur le E joker de pieuvre. Nous descendons à Ouélé. A-W-E-L-E. Ouélé. En 10, I. Ça fait 33 points. Un reliquat de trois lettres, Italie, Océanie et Venezuela. On ajoute Suisse S. Norvège N. Maroc M deux fois. Vous jouez avec Italie, Océanie, Venezuela, Suisse, Norvège, Maroc deux fois. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un top à 35 points. Verticalement, en 1K, en partant à gauche du E de fraquet, nous descendons vomi. V-O-M-I-S. Le V forme V, V-E, avec le E de fraquet. Vomi. 1K. Ça fait 35 points. Deux lettres reliquats Maroc et Norvège. On ajoute Océanie O. Tunisie, T. Yougoslavie, Y. Danemark, D. Égypte, E. Vous jouez avec Maroc, Norvège, Océanie, Tunisie, Yougoslavie, Danemark et Égypte. Chrono. Il vous reste 20 secondes.
le coup est terminé. Un top à 40 points. Horizontalement en F10 pour terminer sur le A de radotage. Nous posons Denoya. D-E-N-O-Y. Et le A de radotage. Denoya. F10, ça fait 40 points. Deux lettres au reliquat, Maroc et Tunisie. On complète avec Norvège, N. Uruguay, U. Hongrie, H. Italie, I. Et Algérie, A. Vous jouez avec Maroc, Tunisie, Norvège, Uruguay, Hongrie, Italie et Algérie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un top à 78 points, horizontalement en M3 pour terminer sur le E disponible de Awele. Nous posons Humanité, H-U-M-A-N-I-T et le E de Awele. Humanité, M3, ça fait 78 points. Profite de ce petit temps d'attente, puisqu'on laisse un certain temps filer entre deux chronos, pour vous inviter à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à en parler autour de vous, à mettre des commentaires, des pouces vers le haut si vous aimez les contenus, et puis pour celles et ceux qui parmi vous le pouvez, il y a un lien vers une cagnotte pour nous soutenir financièrement dans cette initiative, donc n'hésitez pas à y aller de votre petite contribution. Voilà, merci d'avance. Alors, aucune lettre au reliquat après ce Scrabble. Voici Canada C, Algérie A, Luxembourg L, Québec Q, Québec, Tunisie T, votre deuxième joker, lettre blanche, et Luxembourg L. Vous jouez avec Canada, Algérie, Luxembourg deux fois, Québec, Tunisie et joker. Chrono.
Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Alors, le top de ce qui sera le dernier coup de cette partie, le Joker sera un O d'Océanie, 34 points horizontalement en E11. Pour terminer sur le T de radotage et pour coller au-dessus de Denoya, nous posons Kota, C, Joker O d'Océanie, T, A, T. Verticalement, on forme ce, on, to et e à y avec les lettres de Denoya. Kota, C-O-T-A-T, on peut faire aussi Cita, C-I-T-A-T, en E11, ça fait 34 points. Voilà donc, cette partie se termine sur un total de 1314 points. Une bien belle détonnante pour un 17 coups joué. Voilà. Donc ça a un petit peu dépoté. On devrait appeler ça les dépotantes. bon, je ne sais pas si ça existe. À vérifier. Dans tous les cas, dans quelques secondes, on va décoder tout ça. Et puis voilà. Allez, jingle. Voilà, comme d'habitude, un décodage en trois temps. Premier temps, on passe en revue les coups de la partie pour voir les isotopes et les sous-topes, les principaux. Hein. Deuxième temps, les définitions des mots peu courants. Alors là, vous en avez une qui s'affiche, la première à l'écran, mais je les ferai défiler dans ce deuxième temps. Et j'en donnerai lecture également, bien sûr. Et troisième temps, les potentialités des tirages, c'est-à-dire les solutions en 7, 8 et éventuellement 9 lettres dans certains cas, solutions que nous n'aurions pas vues ni pendant la partie, ni pendant le premier temps de ce décodage, c'est-à-dire lors du passage en revue des isotopes et des sous-topes. Voilà, allez, on y va. Donc le premier coup, on a joué Rudite. Il y avait trois autres solutions pour le même score, rudiste, réduit et détruit. Et puis pour moins 2, érudit, qui ne plaçait pas le dé sur la case bleue. De même que, où est-ce qu'il est? Surdité. Voilà. Alors, au coup suivant, on a transformé rudite en érudite. On pouvait également faire crudité en 1B. On a joué réjoui pour 143. Même place, mais qui faisait moins puisque le J ne doublait pas. Jouerie. Et puis en décalant plus bas, les deux mêmes mots rapportent respectivement 122 et 119 points. Ailleurs, on a jouerie, réjoui au pluriel en triple en 8A, 98. Et puis réjoui aussi en collante, 96, avec le J en pivot. Jouerie, même chose, mais un petit peu moins, puisque ça colle sur moins de lettres, 93. Et ensuite, on a des solutions à 87 points, sans scrabler, grâce au J qui double, au mot qui triple et le érudite qui triple également, joué, juré. Sont ainsi à 87 points. Le coup suivant, on a bronze en main, bronzé du coup, EES, qui passe ici pour 72. On a également zébron, donc zébron et bronze sont anagrammes, zébron le verbe zébrer. Et donc en général, quand on a un verbe en main, quand on a un mot en main, on cherche les appuis, ce que j'appelle les appuis naturels. C'est-à-dire, par exemple, là, typiquement, on a un verbe en ONS, et on va chercher les I pour faire IONS. Si on avait ER, on chercherait les A pour faire ERA, ou les U pour faire EUR, etc. Donc, zébrillon quadruple à 126 points, sous-top suborné
à 96, le B qui double, le Z dans le mot et le tout qui double. Bretzon, la définition va venir tout à l'heure, ce n'est pas un verbe. Ça fait 90 en mot compte double. Et puis après, oui, on a bronzé là, 83, je l'avais dit. Ici, 72. Et snobberé, donc anagramme de bronzé et ES. Zonier, adjectif, fait 64 points sans scrabler, tout simplement parce que c'est un quadruple. Ensuite, on verra dans les appuis potentiels tout à l'heure s'il y avait des scrabs sur ce tirage. Je ne vois pas, peut-être fouilleur sur IR, mais à part ça. Bon, on verra ça tout à l'heure. Alors là, on a joué, justement, 42. Ça peut être un peu caché quand même, hein, mais bon. JZ, a priori, c'est... les doubles appuis, c'est toujours difficile, mais là, c'est un peu téléphoné, entre guillemets. Sous top, Lusul à 32. Et Fez, FEZ, en D3, ben, ça fait 30 points. Ensuite, le fraquet, qui est un nom commun, on verra la définition tout à l'heure, ce n'est pas un adjectif, donc ni un verbe, hein, j'espère que vous n'avez pas été... Vous n'avez pas été trop tenté d'y rajouter un E ou un R, ou un S, ou un Z, ou n'importe quoi d'autre. Le S, c'est bon par contre. Grosse bêtise de ma part. C'est un nom commun, donc fraqué. On peut mettre un S, mais pas de E, ni de R, ni de Z. Sous top, funk à moins 6, le kaki triple. Raku, pareil, le kaki triple, mais ça fait 33. Alors là, biphasé, valait mieux pas le rater parce que c'était le seul Scrabble possible avec ce tirage. Et en dessous, honnêtement, si vous connaissez aucun des quatre mots qui s'affichent là, eh ben, personne ne vous en voudra. Hein. Shiba, Spahi, Beai et Saïb. Pas facile du tout, c'est des petits mots de 5 lettres avec les lettres semi-chères. Il y en a plein, hein, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas très connus. Bipa faisait 34, lui, un peu plus accessible. Bip aussi. Des E-H-A-I-E-S, allez, 32. Voilà, donc biphasé, c'est pareil que diphasé, on verra la définition tout à l'heure. Mais voilà, il fallait mieux pas le rater. Enfin, c'est dur quand même, hein. Si on le rate, c'est un coup violent, là. Voilà, donc il passait à plusieurs endroits. Donc soit ES, c'est un adjectif, hein, soit ES... et S, donc en 8A et 8C pour 107 ou 66, soit EE en 7A, 7B pour 69 ou 68. Ensuite, beaucoup de possibilités de scrabler avec ce tirage, crainte, criante, etc. En appui également. Donc là, on a incitera qui place le C et le tout qui double, le C sur une case triple, et le tout qui double, donc ça fait un score intéressant, 82. Score qui n'est pas égalé, donc voilà, il faut, c'est bien, si on trouve un citera, on doit être content. Chintre et son anagramme chantier 76, tout comme Pearson Rinceret. Voilà, vous avez les places qui, les endroits qui s'affichent. Recentré 75, joli double appui. Ciré, Sentiar, certaines, voilà, certains en main, on a certains en main. Assiérant, etc., etc. Voilà, il y a plein de solutions jusqu'à 63 points avec Santibar. Ensuite, bon bah là il fallait l'oser, le radotage, le fait de radoter, ouais. Voilà, radotage. Dégotera, bah, c'était le seul nonuple, hein. Donc on perdait vite 77, moins 77 si on l'a pas, voilà, 72 avec dégotera ou déroja, le même dégotera qui fait 70 en 7G ou en G7, radotage passe aussi en E7 pour 70, mais ce serait ballot d'aller le jouer là, déroja AT en même place que dégotera la G7 7G, ça fait 69. Et ensuite on ne scrable plus, le maximum c'est en 15A, 30 points avec Garda. Alors, lamenté, mantelé, mélante, mentale, voilà, jolie succession de plusieurs anagrammes
qui passent toutes en 14H, mais la menthe offre l'avantage de tripler le M et donc d'un score de permettre un score plus élevé, 76 points. Les autres sont à 73. La menthe et E en collante sur la moitié du mot, 71 en 7E. Blasement, double appui, 68. Salement, 68 aussi. Et ensuite, on ne scrable plus. Élément à 25. Alors, le coup suivant. Alors, flingue en main. On a flingue en main. 98 pour faire la montée. Et E, ça passe. Et puis, des E pour faire flinguer. Et E, tout simplement. 74, 64 points. Également, figuline, adjectif. On voit la définition dans quelques secondes. Quelques minutes. Figuline, on a fait 74. Ensuite, si on ne scrablait pas, eh bien, on avait 42 points avec fiel, fieux, fioul en O12, le F qui double, la montée et E et le mot qui triple. Ensuite, alors là, ça un score très élevé puisqu'on a flingué et E et axe qui tous les deux vont tripler. Et puis on récupère les points du X dans X pour 11 points supplémentaires. Voilà, ça fait 85. Sous top en B1 avec le X qui triple et le mot qui double, on a deux solutions, une à 76 avec revaut du verbe revaloir et râpeux, adjectif, à 74. En 1K, là c'est le mot qui triple en entier, vaut VEAUX fait 59, le mot passe également en 4K pour en faisant doubler le X et le mot. Ça fait 59 aussi. Aveu, même place, un peu moins, 56. Alors, le tirage suivant, pieuvre. Pas d'autre scrabble, donc c'est pas évident. Si on le rate là, c'est compliqué de ne pas perdre beaucoup de points si on n'a pas ce scrabble là. Donc on a des solutions à 38 points en mettant un S devant axe et en jouant un mot de 7 lettres en appui sur le N de lamenter. Donc parvint, prévint, privon, provint, tout ça c'est des verbes. Sachant que provint est aussi un nom. Ce n'est pas quelqu'un qui est favorable au vin, hein. mais c'est lié. On verra ça tout à l'heure dans les définitions. Vulpin, pareil, 38. Ensuite, avec le W, on cherche les cases bleues foncées. Awele, voilà, 33. Puis si on ne connaît pas, il y a plusieurs solutions à 32 ou 29, là en 1K, lever, voler, va faire 32, voile, voilà, etc. Et oui, le W qui triple à 31 ici, AV en J9 avec le V en pivot sur la case bleue foncée, ça fait 30 points, tout comme élavé, valve, vous voyez les places, hein, volve, etc. Donc Awele. Le coup d'après, eh bien, la place de en 1K là, est très intéressante. Donc on y joue là. Vomi, vison fait 32, moins 3. Novi, N-O-V-I au pluriel avec un S. Donc même place, ça fait 29. Ailleurs, on a 27 avec versus qui met fraqué au pluriel. Et puis, c'est à peu près tout ce qui est intéressant. Ah non, ouais, Nov, là-haut, là, c'est pas mal. Avec le V en pivot, ça colle un peu. Ça fait 26 points. Tout comme Somme, qui m'est fraqué au pluriel aussi, et qui va doubler. Alors là, on a joué... Je vais trop vite. On a joué Desnoya, 40 points. Sous top, Néodyme à 38. Je me rajoute une définition. C'est pas Néodyme, je l'ai préparé, mais... Idn, voilà, on verra ça, on va faire défiler ça tout à l'heure. Donc Idn, Imen et Imn en D8, ça faisait 36. Et Toby en F3, pardon, faisait 35. Voilà.
Ensuite, on Scrabble avec humanité ou son anagramme humé à IENT, qui fait un peu moins puisque le mot ne double pas. Et c'était les deux seules possibilités de Scrabler. Ensuite, on est à 33 points. Avec en collant au-dessus de Denoya et le A, AT, la terminaison AT qui va bien pour faire AY, on a Mina, Mita, Muta, Tuna. Ça fait 33 ou 29. Et c'est le dernier coup va se jouer à cet endroit-là. On a retenu Kota. On peut jouer également Sita. Voilà, ça n'avait aucune espèce d'importance de faire un choix puisque c'était le dernier coup de la partie. 32 points avec Oza en sous-top en L1 qui fait ouais, 32. Et puis le Q peut être utilisé en 3A avec Ake, Aki, Kaka, Kake pour 28 points. Voilà, allez, on a terminé le passage en revue de la partie pour les isotopes et les sous-topes. Maintenant, on passe aux définitions. Alors, je les fais défiler, j'en donne lecture, et puis elles sont pas forcément dans l'ordre d'apparition dans la partie des mots hein, concernés. Vous l'avez vu, de temps en temps, j'en ajoute un parce que j'y avais pas pensé lors de la préparation. Voilà, donc bon, c'est pas très important puisque l'essentiel c'est de voir défiler les mots, les définitions, les natures surtout. Ce qui est important à connaître, c'est la nature d'un mot. Sa définition, bon, quand on connaît la définition, on retient plus facilement les mots, bien sûr. Mais l'essentiel pour jouer au Scrabble, c'est de connaître la nature des mots, savoir si c'est un verbe, un adjectif, etc., etc. C'est très important. Un adverbe, ça veut dire que c'est un variable, etc., etc. Alors, rudite, c'est une roche sédimentaire, meuble à gros grains. Oui, juste précision, rudite, j'ai retenu rudite parce qu'on pouvait mettre un E devant, certes, mais également un C, donc érudite et crudité. Il y avait d'autres possibilités, genre détruit, on pouvait rajouter un E au bout, détruise. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Rudiste, on pouvait rajouter un S. Et voilà, bah, j'ai retenu rudite pour les deux rallonges en une lettre initiale. Voilà, il fallait de toute façon faire un choix. Jouerie, en Suisse, c'est une façon de jouer. Suborner, corrompre. Lusul, L-U-Z-U-L-E, une plante, des prés et des bois. Fraquer, donc c'est un nom masculin. En Afrique, c'est un arbre dont le bois est le limba. Le limba égale, c'est la même chose que le limbo, c'est un bois africain, oui, forcément. Biphasé, adjectif, donc « et » ou « et e ». En électricité, ça désigne un composant ou un appareil qui possède deux phases. Le ou la chintre, c'est l'espace où tourne la charrue à l'extrémité d'un champ. Mantelé, adjectif, ça doit venir de manteau, je pense, même étymologie. En zoologie, ça désigne un animal dont le dos a une couleur différente de celle du reste du corps. Figulin, figuline, adjectif relatif à la poterie. Et c'est aussi un nom féminin. Une figuline est un vase en terre cuite. Awale, awele ou wale, il n'y a pas de wele, W-E-L-E. C'est un jeu africain. Néodyme, un métal rare. Jité, mettre dans un gîte ou s'incliner en termes maritimes. Bredzon. Je sais pas. O-N comme ça, je sais pas. Avec le tiré, là, ça veut rien dire. J'y arriverai jamais. Je pense que c'est Bredzon. En Suisse, c'est une veste traditionnelle d'Armaï. Fez, une coiffure de laine. Centiare, un centième. Pardon. La centième partie de l'art. Un centième d'une art. Une art étant 100 mètres carrés, je crois. Vulpin, vulpine, adjectif relatif au renard et féminin, non masculin, pardon. Un vulpin, c'est une plante fourragère également appelée la queue de renard. Alors, si on dit vulpin, c'est parce que ça vient du. Ça, étymologiquement, ça vient de. Alors, je ne sais plus quel mot, mais ça a donné Goupil, G-O-U-P-I-L. Goupil, qui est le vrai nom du renard de base. Hein. C'est le vrai nom du renard, c'est Goupil, et il a fini par s'appeler Renard parce qu'il y a eu au Moyen-Âge un livre qui s'appelait Le Roman de Renard,
Et comme c'était un goupil, le personnage s'appelait Renard et c'était un goupil, et ben c'est devenu le nom commun, Renard. Nos vies, un terme familier dans le Midi pour désigner un nouveau marié, donc on peut le mettre au pluriel. Dénoyer, assécher une mine qui a malheureusement été inondée. Et puis, je crois que sinon, il y en a encore un. Provin, sarment de vigne que l'on enterre pour qu'il prenne racine. Id, champignon comestible des bois. Le Toby est un poisson des récifs coralliens. Et le rudiste, un mollusque bivalve fossile. N'existe plus. Voilà, mais c'est terminé pour les définitions. Allez, on va rester sur quoi ? Le fraquet ? Ouais, on va laisser le fraquet parce qu'il faut bien se retenir, pardon, bien retenir que c'est pas un adjectif, hein. Bien qu'on le prononce fraquet. Voilà, c'est l'anagramme de fric, F-R-E-A-K. Mais il n'y a pas de E. E ou de EES, etc. Alors, maintenant, troisième temps du décodage, on va passer sur les appuis, les potentialités des tirages. Alors, je vous demande une petite seconde, le temps d'afficher les choses qui vont bien. Je remets la partie au début pour avoir le premier tirage et je mets l'affichage qu'il faut. Voilà, donc le premier tirage, on a vu toutes les possibilités en cette lettre, on les a vues, ouais, réduits. Voilà, et puis après, torridé sur un A, duitera, traduise, débruti, turbidé, crudité, discuté, durcide, trucide, turdidé. Tiédeur, turgide, réduisi, stridule, dénutrice, turmidé. C'est vraiment un tirage magnifique. Il y a beaucoup, beaucoup de solutions. Étourdi, outsider, disputé, etc., etc. Détruit et détritus. Voilà. Alors, le tirage suivant. Donc les deux, on les a vus. Et puis sur le Z, joueurier, rejouiller. Retenez que ces deux anagrammes, on peut au bout mettre soit un S, soit un Z. Voilà. Ensuite, on avait tout vu ici. Est-ce que je regarde en 9 lettres ? On va avoir beaucoup de prolongements de ces mots-là. Voilà, des bronzes, des bronzés, bronzage, bronzame, bronzeuse, zèbreron, bonzerie, bon, buzzeron, oulala, ça c'est dur ça. Ah, c'est superbe. Sur un U, un Z avec un joker, buzzeron. C'est beau. Bronzier. Ok, allez, le suivant. Ah oui, alors c'est là, je voulais savoir s'il y avait un truc, parce que... Alors, rien en 7, rien en 8, et en 9, eh ben, il n'y avait que fouilleur. Ben, dis donc, j'aurais pas été tranquille, moi, en tournoi avec ça. Tirage suivant. Rien, ni en 7, ni en 8, ni en 9. Ici, alors, on a forcément déjà biphasé et toutes ces flexions. Rien de plus en 7, 8. Et en 9, qu'est-ce qu'on aurait ? Amphibie, basophile, basophile. Bon, là, il y aura 4 milliards de trucs. Hein. Déjà, en 7 lettres, caricatiné, centré, oh là là, tout ça. Centibar, on l'a vu. Bon, je vais regarder juste les cas où il y a un, deux mots. Francité, mercanti. Mercanti.
Voilà, ceintura, curée, etc. Le suivant. Alors là, on avait radotage. On a tordage en main sec. D'accord. Tordage, radotage. Et puis après, on avait vu doitera goderé et tordage au pluriel. Là, c'est pareil. Beaucoup de solutions. Alors, les quatre de cette lettre, on les a vues. Sur un A, amental. Alors, c'est pas un adjectif, hein. Je vous mets la définition. C'est important de le savoir. C'est un nom féminin. Ça désigne un arbre à chatons type saule ou noyer. Ne pas confondre avec amensal, qui lui est un adjectif. Amensal, amenceau. Un végétal inhibé par les sécrétions d'une autre plante. Donc devant mental, M-E-N-T-A-L-E, on peut mettre un A. Mais devant mental sans le E ou devant manteau, on ne peut pas. D'accord? Et si vous vous dites, moi ça me dit quelque chose, c'est parce que vous confondez avec amensal. Alors, le tirage d'après. Non, j'avais pas fini là, pardon. Lassement, démêlant, emmêlant et mental, lapement en pâle, mantelé, ET. Tirage suivant. Alors là, on a flingue et tout ça, là. Donc, toutes les conjugaisons de flingue. Figuline, faulingue. Eh bien, figuline, on l'avait vu. Donc, voilà, il n'y a que faulingue qu'on n'avait pas vu. Allez, je vais regarder en neuf lettres parce que, à part les flingues, flingueurs et tout ça, il y a peut-être des trucs sympas. Ah oui. Folle dingue. Fignoleur. Ouais, bon, à part foldingue et fignoleur, rien de folichon finalement. Alors, ici, vaporeux sur un O. Et prévôt sec. Oh, j'avais jamais vu. Punaise. Ah, je me serais pris dans. Oh, je sais pas, je n'ai pas cherché vraiment. Mais j'aurais pu me faire avoir, là, je pense. Et en neuf lettres. Vespero, Vipero, Viperio, Prévoto, Prévotal, Prévoto, Vesperal, Vespero. Ensuite, bon là il y a pieuvre, prouvé, imprévu, pluvier, pourvoi, pouvoir, provirus. Un provirus, c'est un type de virus, c'est pas un partisan du virus. Alors là, avec le W, on n'a rien. Le tirage d'après, on a deux M. Pas évident qu'il y ait quelque chose. Eh bien, il n'y a rien. Alors ici, j'ai pas vu, mais je pense qu'il doit y avoir des trucs. En neuf lettres, non? Un merdoyant. Oh là là. Sur RA. Alors là, on a Inhuma en main. Donc, Humé, A-U-N-T, Humanité, on les a vus. Mathurin sur un R. Et forcément, Inhumé, A-I-T et Inhumant. En neuf lettres. Minoucha. C'est magnifique comme mot quand même, Minoucha. Franchement, Minoucha. C'est splendide. C'est de la poésie à l'état pur, rien qu'en un seul mot. Minaouet, humiliant, anthurium. Voilà, superbe tirage. Et le dernier tirage. Rien en 7, 8 et en 9, coquilla et colloca. Ah donc c'est coquiller, c'est un verbe. Hein. Ou pas, je sais plus. Ouais.
D'accord. C'est aussi un adjectif coquillé, coquillère, avec ou sans i, après le L. Voilà, il y a plein de petits mots à apprendre. Hein. C'est sympa cette partie. Voilà, bah, écoutez, c'est terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris deux, trois bricoles. Voilà, une demi-heure de décodage. Bah, écoutez, moi, ça me paraît nécessaire. Hein. J'ai pas traîné. Je suis allé à l'essentiel. Donc voilà, bah, ça va peut-être être la durée, comment dire, standard des décodages, une trentaine de minutes. Ça peut paraître un peu long, mais bon, pourquoi pas. Vous me direz, hein, si vous trouvez ça long, si vous trouvez ça trop compliqué, ou si vous voulez d'autres choses, hein, n'hésitez pas, des améliorations, les idées, tout ça, j'étudie avec attention toutes les possibilités d'améliorer la chaîne. Bon, il faut pas que ça me chamboule tout non plus, hein. C'est petit à petit que les choses évoluent. Donc n'hésitez pas, vous avez les commentaires, vous avez l'adresse mail. Et puis voilà, bah, écoutez, abonnez-vous, mettez des pouces bleus, mettez des commentaires, parlez-en autour de vous, contribuez si vous en avez la possibilité. Et tout se passera très bien. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao, ciao.